Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les vlogs de Linda. Petit tour au magasin Action à Bobigny dans 93. Alors je vais vous montrer un petit peu les arrivages, les nouveautés, détailler tout ça et surtout répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Et merci beaucoup pour tous les commentaires et tout votre soutien, votre bienveillance. Je vous retrouve à l'intérieur. Alors je vais vous montrer un petit peu une petite nouveauté qui est arrivée. Enfin c'est pas tout à fait une nouveauté mais bon la couleur peut-être. Il faut vraiment que je vous montre. C'est le pouf de rangement rectangulaire. Celui-ci. Alors, ils ont mis aussi du noir. Voilà. Donc, il n'y avait que cette couleur-là, couleur crème, claire. Et là, ils ont rajouté du noir. La bouclette blanc ou noir. La même chose. 17,95€ XL. 76 par 38 cm. Donc, il existe aussi en noir, les amis. Si vous souhaitez du noir, pourquoi pas. Oula. Après, ça dépend de la décoration. Voilà, voilà. Sinon, il y a le plein ce matin. Il n'y a pas le modèle ovale, je ne le vois pas aujourd'hui. Il n'y a que le rectangulaire, noir, blanc, je dirais crème très très clair. Sinon, il y a aussi le petit format, 38 par 38. Pareil, avec une bouclette en blanc. Et il y a aussi du noir hein, dans le petit carré, si vous souhaitez. Et sinon, on a en velours gris clair, gris foncé. Les poufs en velours, motif animal, panda, chat gris et chien, ou ours je pense. Ils sont à 9,95€, 29 par 27 en velours. Les poubelles, on m'a demandé aussi pour les poubelles. Donc on a ce modèle pour commencer. Celui-ci, il est simple. Hein. Il faut juste en fait avec la main pousser pour jeter les déchets. C'est 9,95€. Il fait 50 litres hein, ce modèle. On a aussi celui-ci avec le couvercle en forme de dôme. Il faut juste ouvrir comme ça manuellement. Voilà, j'aime bien ce modèle aussi. Il est sympa. 7,98€, 50 litres. Il est moins cher en plus que l'autre. Mais c'est la même taille. On a aussi cette poubelle là en inox avec le seau à l'intérieur. Inox et pédale. Alors ce modèle, il fait 62,5 et 36 et 29 cm. Alors celui-ci fait 30 litres en inox. 24,95€. Ils ont remis aussi en fait de la marque Vileda cet ensemble là, donc le seau, l'essoreur à pédale. Il faut juste appuyer sur la pédale pour que ça s'essore facilement. On a aussi le manche et la microfibre. Moi je suis pas très fan, je l'ai déjà acheté donc non. Franchement, j'ai du mal, beaucoup de mal avec. Certes, le système de l'essorage, le seau est grand, il n'y a pas de double bac déjà. D'une, il n'y a pas double bac. Il n'y a que l'essorage pour moi qui est bien. Le reste, ça me convient pas du tout. Du tout, vraiment. Sinon, le manche, il est solide, mais le chiffon en microfibre, là, en fait, quand vous allez laver avec, ça fait une boule. Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. C'est 29,95€ pour ce modèle de la marque Vileda. On a aussi la planche à repasser à 19,79€. Elle fait 110 par 32 cm. Voilà, pliable. Donc à plusieurs niveaux, ajustable. Vous pouvez la baisser ou monter, ça dépend de votre taille. Sinon, on a aussi la tour sèche-linge 30 mètres d'étendage. Donc ça se présente comme ceci, trois niveaux. Elle est en métal avec 4 roues. Moi, je l'ai déjà à la maison, elle est bien. Je préfère la blanche qui était disponible. Là, c'est fini, elle n'est plus la blanche. La blanche, c'était mieux. Niveau qualité, elle est mieux. Celle-ci, elle est bien, mais voilà, normal. Mais elle est bien pour l'instant, elle fait le coup, nickel. 15,95€, on a ce modèle. 18 mètres d'étendage. Alors que l'autre, c'est 30. Voilà. C'est 15,99€, les deux. Enfin, le prix des deux. On a ça aussi. C'est la même marque, on a l'étagère à chaussures, l'étagère sur style trolley 3 niveaux pour la cuisine, salle de bain, bureau. C'est 41 par 23 et 61 cm 3 niveaux. À celle-ci, elle coûte 8,95€. Et au même prix, on a aussi pour les chaussures. Là, c'est 64 par 23 et 59 de hauteur. On peut mettre 9 paires de chaussures. Voilà. Et on a aussi les... comment on appelle ça ? Égouttoir. 48 par 30 et par 10 cm en métal, en argenté comme ça. 3,99€. Et on a aussi ça pour finir. De la même marque en fait, disponible. C'est une Made in Italy.
Ça, c'est bien pour rajouter du rangement. Si vous avez une petite étagère, vous pouvez mettre en fait ça en dessous pour bureau, toilette, voilà. Ça coûte combien tout ça? 2,22. 2,22, les dimensions c'est 30 par 26 par 14. Allez, c'est continu notre petite tournée à action, comme d'hab. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre. Si vous souhaitez ne rien rater, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous recherchez quelque chose, n'hésitez pas, j'essaye de répondre à tout le monde. En vidéo, 4,49€, on a cette serpillière avec donc une recharge ici en microfibre. Pas mal. Donc, télescopique. Manche télescopique, il est assez long. 4,49€. Ils sont très bien. Moi, j'ai déjà acheté ce modèle. Et je les ai achetés, ça fait 2 ans, à 3,99€. Ils ont augmenté le prix, mais et franchement, il est très très bien. Rien à dire. La qualité est nickel. On a déballé. Déballé. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Il y a ça, en fait. Ça, c'est bien pour frotter en fait le sol. Si vous avez du carrelage, ça frotte bien. Hein. C'est assez rigide, hein, les poils. Ça frotte très très bien. Il faut juste en fait rajouter un manche ici. Je vais vous montrer après, vous allez voir. Les manches, hein, j'espère que je vais les trouver. Normalement, ils sont pas très loin. Les manches à balai, ils sont là. Attendez. Vous allez voir ici, dans ce bac-là, il y a les manches à balai. Ok ? Là, vous allez voir en fait ce qui convient à qui. Donc là, c'est vendu séparément. Là, c'est vendu séparément. Après, vous allez venir ici pour voir en fait ce que ça convient à quoi exactement. Donc ça, il faut le manche gris à vis en métal. Vous voyez, il est juste ici, il est là. Parce qu'il existe en blanc ou en gris. Il y a aussi du blanc. Voilà, il est là. Sinon, tout ça, ça convient à ça. Le manche en bois convient à la raclette et le gros balai pour l'extérieur. Celui-ci, manche télescopique aussi, jusqu'à 2 mètres de longueur, convient à tout ça, sauf ça. Je vais vous montrer. Et celui-ci, le bleu en métal, celui-ci convient à cette serpillière. Donc tout ça. Il y a plusieurs prix, hein. 2,69, 90 centimes, 1,49€, etc. Sauf le manche télescopique que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, je vais vous montrer. Celui-ci, il est plus cher, c'est le plus cher. Il est à 3,79€. Non, 2,69€, pardon. Pardon, 2,69€. Il y a un autre modèle aussi. Ça. Tête de loup, télescopique, manche télescopique. C'est dommage, j'arrive pas à l'accès. C'est ça. Ça, en fait, c'est ça, le 3,79€. Voilà, le manche est télescopique pour accéder en fait au recoin, même en haut, en hauteur, comme ça, pour enlever la poussière. 3,79€. Et le manche télescopique, c'est simple, il est à 2,69€. Sinon, le reste, c'est 90 centimes, 89 centimes, etc. Celui en bois, c'est 1,49€. Là, c'est 1,89€ pour ce modèle. On a ça aussi, 92 centimes. J'essaie vraiment de vous expliquer bien les choses, de bien vous montrer en fait, pour vous aider. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Je vois les personnes ici qui sont des fois perdues. Ils sont où les manches à balai? Qui va avec qui? C'est compliqué, hein, je sais. Mais c'est pour ça, vraiment, j'essaie de vous aider. Pour les personnes qui me suivent, ben, ils en profitent et moi, je suis heureuse. 3,119€. Là, c'est pour l'extérieur, c'est assez rigide, assez grand, pour si vous avez une cour, ça, c'est pas mal. La raclette en métal est dispo aussi, ça, c'est bien, hein, moi, je l'ai à la maison. J'ai acheté le manche en bois et j'ai acheté aussi ça. Rien à dire, solide, ça tient bien, il faut juste rajouter deux vis, hein, une vis, pour maintenir le manche avec le truc en métal. 1,99€. Et sachez qu'il y a la même chose, mais en plastique, si vous souhaitez un petit truc plus léger. Moi, j'aime bien celui-ci, il est vraiment, vraiment solide. Avec le manche en bois, ça fait lourd pour moi. Un petit peu lourd pour moi. J'ai regretté, j'aurais dû prendre. En fait, celui-ci, il est plus léger. Il est plus léger, il est en plastique. Il est à 2,49€, 45 cm. Et vous pouvez, en fait, prendre le manche. Le manche. Ils n'ont pas précisé pour celui-ci en plastique. Vous pouvez prendre un manche à vis, hein, normal. Celui-ci ou celui-ci. Voilà. Et ça fait l'affaire, en fait. Ça se visse et voilà.
Mais le manche en bois, et ça, ça dure des années et des années. Ça va pas bouger. Hein. Sinon, il y a ce modèle aussi de la marque toujours Vileda, mais il n'y a pas de mécanisme en fait de redessorage. C'est un modèle classique simple. Il ne faut pas oublier ça avec. Ok ? Regardez. Vous placez ça ici. Voilà. Là, vous pouvez en fait coincer le manche des fois quand on veut arrêter pour ramasser quelque chose. Ou, enfin, on met le manche ici, on le coince ici. Et sinon, c'est fourni avec donc l'essoreur, le seau ovale. On a la serpillière en bande comme ça. J'ai jamais testé ça, mais je pense que je ne suis pas très fan. Sinon, on a ça aussi avec le manche qu'il faut juste monter et visser. C'est trois parties. Une, deux, trois. Voilà, donc le prix, c'est la marque Vileda. Hein. 12,95 l'ensemble. Il y a ça aussi qui est moins cher. Alors celui-ci, pareil, il est ovale. C'est la même taille. Hein. Attendez, l'autre, il a combien? Je ne vous ai pas donné en fait le litre. Hein. 7 litres. Donc, il est petit. Hein. Sinon, on a ça aussi. Alors là, c'est 3,99 et celui-ci, il est ovale aussi. Et celui-ci, combien? C'est pas noté dessus. Je pense qu'il fait plus, hein. Il fait petit 10 litres, hein, celui-ci. On a aussi ce modèle avec les motifs. Regardez. 2,99, 12 litres hein, pour ce modèle. On a aussi celui-ci. Bleu gris. Celui-ci il fait 12 litres à 1,99€. 1,49€ celui-ci. Il est plus petit que l'autre. Ça c'est en métal. Là c'est en métal, c'est 12 litres. Et celui-ci, il fait 10 litres. Hein, tout en plastique. 1,99€. Non, il y a ça aussi de la marque Vileda. Alors là, c'est 9,99€. Donc la serpillière, chenille comme ça, et le manche qui va avec. 9,99€. On a aussi ça. Donc ça, c'est pas pareil. En fait, ça s'essore facilement. Il faut juste en fait actionner en fait le manche, appuyer, glisser cette partie-là ici, et ça va se plier et ça va s'essorer. Je vous montre la photo. Voilà, ça donne ça. Alors ce modèle, il est à 9,95€. Attendez, je pense que c'est pas ça. Il y a deux prix là. Non, ça c'est la serpillière vaporisateur à 9,95€. Mais elle n'est pas dispo aujourd'hui avec le réservoir en fait. Celle-ci, c'est 13,99€. Voilà. Et là c'est 27 cm. C'est pas très grand. Mais voilà. C'est pour le parquet carrelage. La recharge. Regardez la recharge. Elle est à 4,99€ pour la recharge. Voilà, 27 cm. Voilà les amis, j'ai essayé de vous montrer en fait des articles que je ne montre pas souvent sur ma chaîne. Pour le ménage, voilà, j'ai essayé de vous aider en fait de vous expliquer les choses. Des fois, on sait, des fois on ne sait pas, c'est normal. Prenez bien soin de vous, excellente journée. À tous, bisous.